Bonsoir! Pourquoi quand j'arrive pas à me connecter à internet, Windows me propose de chercher une solution sur internet? Pourquoi dans le métro il y a toujours des annonces pour dire qu'il faut signaler les comportements suspects? Non, parce que moi si à chaque fois que je vois un comportement suspect, je les appelle tous les jours. Pourquoi dans le RER il y a toujours une racaille avec un casque autour du cou mais qui met toujours sa musique sur les haut-parleurs? Quand il fait 0 degré et que la météo elle annonce que demain il fera deux fois plus froid, ça veut dire qu'il fera combien? Pourquoi il y a des youtubeuses beauté qui sont moches? C'est pas un peu le principe du la base du concept quand même? Est-ce que l'équivalent des petites cuillères en Chine, c'est les cure-dents? Sachant qu'Adam et Ève sont les premiers hommes au monde, comment se fait-il qu'ils ont un nombril? Pourquoi à la banque, elle te prend de l'argent seulement quand t'es dans le négatif? C'est vrai, ils sont cons un peu. Sachant que ma chaîne YouTube a plus de 5 ans, soit 3 de plus que celle de Panda Moqueur, comment se fait-il qu'il a 1 200 000 abonnés et moi 700? Panda Moqueur, quoi. Pourquoi sur Facebook, on a tous une amie qui rencontre l'homme de sa vie chaque semaine? Genre ta vie, elle dure qu'une semaine? Pourquoi à Paris, il y a une rue qui s'appelle la rue Poulet et il y a toujours que des noirs alors qu'il n'y a même pas de KFC? Est-ce que les mecs qui crient à poil pendant les concerts, ils pensent que la chanteuse, elle va vraiment faire « Hey !» Pourquoi est-ce qu'ils ont fait une suite à 50 nuances de grès? Pourquoi ils ont fait 50 nuances de grès? Est-ce que dans les critères pour devenir videur, c'est marqué « il faut être con » ? Je demande. Est-ce que le mec qui a inventé l'expression « être au bout du rouleau », il avait plus de PQ? Est-ce que quand vous êtes naturiste et que vous avez faim, vous venez comme vous êtes à un McDo? Est-ce que à Lyon, il y a une gare qui s'appelle la gare de Paris? C'est une question d'équitabilité. Hein. Pourquoi quand je marche à Châtelet, c'est toujours à moi d'esquiver les autres gens qui marchent? Non, parce que j'ai déjà essayé de faire le contraire et ça marche pas. Hein. Est-ce qu'il y a un ligament qui relie le cou des pigeons à leurs pattes? Comme si... Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que tu viendrais pas voir le concert de mon groupe le 22 octobre à Cambrai, comme j'ai mis le lien dans la description de l'événement Facebook? C'est samedi, s'il te plaît. Si tu as aimé, tu peux partager cette vidéo parce que j'ai remarqué que tu le faisais pas beaucoup. Allez, salutations.